Bienvenue au jam de musique traditionnelle virtuelle, animé par moi-même, Akhlishan et Denise Daigle-Bourgeois. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous dans notre communauté d'artistes. Chaque jam sera constitué d'au moins deux tunes de violon jouées par Denise. Une pièce qu'elle va jouer au complet et que vous pourrez l'accompagner chez vous avec votre instrument préféré. Par après, nous aurons une entrevue avec notre artiste invité qui nous partagera une pièce musicale. Et à la fin du jam, Denise vous proposera une nouvelle pièce, jouée plus lentement, afin que vous puissiez la pratiquer avec elle avant le prochain jam, quand elle fera cette pièce au complet avec vous. Et c'est ça la recette du jam. Avec, bien sûr, de la bonne humeur. Bon, bonjour, bienvenue à notre artiste invité aujourd'hui. On a Richard Bouc, un artiste très, très talentueux. Bonjour, Richard. Allô, allô. Allô, allô. Oui. Allô. Richard, tu allô, viens d'où? Tu es originaire d'où? Moi, je viens de Grande-Digue. OK. C'est là que j'ai resté toute ma vie. Vraiment? Au Cap de... Un gars de Grande-Digue, ça. On considère tout ça le comté de Kent ou c'est-tu le sud-est, ça? Je pense en termes de le comté de Kent. Okay. Je pense la frontière de Westmoreland et plus par Shediac Bridge. Là. OK. So, je pense que je suis dans le comté de Kent. Du talent en masse dans le comté de Kent, hein, Denise? Ah oui. Allez. Hey, Richard, à quel âge que tu as commencé à jouer de la musique, toi? La musique, c'était dans la famille, mon grand-père et ma grand-mère. Ils chantaient, puis les frères à mon grand-père jouaient du violon. So, il y avait tout le temps des parties de famille, puis ça. Je jouais les cuirs à des tunes traditionnelles de violon. Moi, j'ai commencé à comme l'âge de 4-5 ans, pour les cuirs. La même chose que moi! La guitare, je pense, j'ai commencé quand j'avais 13 ans. Puis la mandoline, un petit peu plus tard, l'entour de 16 ou 17, je pense. Oui, ça c'est pour moi ça.
Un peu tard pour commencer la musique, mais il n'est jamais trop tard. Non, je me rappelle, on allait au magasin chez tes parents, puis tu étais assis, puis tu jamais de la musique, les baisses. Oui, ouais, c'est ça. Je travaillais au magasin, puis entre les customers, j'espérais pour les servir, ben, j'emmenais mes instruments, puis jouais de la musique au magasin. Hey, le fun! Ça fait penser à la Louisiane, ça. La Louisiane, il y a beaucoup de ça. Oui. Tes influences, qu'est-ce qui t'a influencé? J'ai beaucoup d'influences dans différents styles de musique. J'aime vraiment le vieux country, comme des chanteurs comme George Jones ou Merle Haggard, Keith Whitley aussi. En bluegrass, les premiers groupes bluegrass que j'aurais entendu, je dirais que ce serait comme le groupe Bluegrass Diamond, puis aussi le groupe Bluegrass Four, qui était plus ensemble parce que j'ai pris à les écouter, mais j'ai quand même, mes parents avaient une cassette, puis j'écoutais ça. J'aimais vraiment le son de la musique acoustique, la banjo, mandoline, ça, puis c'est quoi qui m'attirait par ça. So, j'ai pris à écouter cette sorte de musique-là, puis j'aime vraiment ça. Donc, ça, c'est les styles que tu aimes écouter, mais qu'est-ce que les styles, parce qu'on est des artistes, on est un petit peu drôle des fois, on écoute des tels styles de musique, puis on joue d'autres sortes de musique. Donc, tu George Jones, Merle Haggard, etc., mais comme quel style de musique que tu préfères jouer? Personnellement, que je préfère de jouer, je ferais que ce serait le bluegrass. OK. Je trouve que il y a beaucoup de innovation pour, tu sais, comme improviser les breaks, puis ça, puis la musique, puis c'est vraiment, c'est pas quoi qui est écrit, c'est pas comme du classique ou du jazz, ben, j'allais pas dire jazz, mais pas le jazz, parce que le jazz, c'est beaucoup improvisé aussi, mais ouais, pour moi, personnellement, ça serait le bluegrass. Ça développe beaucoup, ça développe des bons artistes au bluegrass, avec les différents pickings qu'ils font dedans, de tous les instruments. C'est juste parce que c'est souvent un jam. Parce que je vois moi, je me rappelle quand on allait à des soirées, puis quand Bluegrass Army était ensemble, je voyais Francis puis la gang se mettre ensemble dans un coin des fois, puis juste jammer avant le spectacle, puis c'était juste les harmonies qui allaient ici, puis là, puis les pickings, puis tout ça. Donc, après, du coup, les gars, puis les madames, ils viennent assez bons, c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment beau pour ça. Oui, c'est ça qui est le fun d'avoir la musique bluegrass, c'est parce que c'est tout acoustique, parce que la contrebasse même, les gros stand-up bass, t'as pas besoin d'ampli pour ça, puis les guitares, mandoline, banjo, c'est quoi qui résonne beaucoup. Il y a beaucoup de party de cuisine de bluegrass, puis les festivals, c'est ça qui est le fun dans tout ça, c'est pas juste la musique sur stage, c'est comme la musique aux roulottes, au camper, qu'est-ce que tu peux jammer après que la musique s'est finie sur stage jusqu'à 4-5 heures du matin. Hein. On dirait que c'est une belle communauté. J'ai remarqué ça, moi je me rappelle, j'étais à plusieurs festivals bluegrass, puis on dirait que les gens qui arrivent là, c'est juste une grosse famille. Oui, ouais, c'est beaucoup, la musique bluegrass est beaucoup familiale, tu vois ça. J'en vois souvent des jeunes qui commencent, ils ont des mandolines ou des petites guitares à des festivals, puis là, 10 ans plus tard, ils sont qu'ils sont dans des groupes. Ben, c'est le fun de voir. Et toi, Deschamps, ton instrument principal que tu joues, là, je sais que tu joues plusieurs instruments. Qu'est-ce que ton instrument principal? Je suis pas certain. Enfin, je dirais que ce serait la guitare, parce que c'est celui-là que ça fait le plus longtemps que je joue. Mais je trouve que je suis aussi confortable sur la mandoline. Sur les deux là, la guitare acoustique puis mandoline, c'est mes deux principaux. Je joue aussi la banjo, mais il faut que je dise que la banjo, c'est l'instrument que je suis le moins confortable dessus. Mais Faut que tu me dises comment est-ce que tu as commencé à jouer de la banjo. Tu m'as dit ça tantôt, ben, faut pour les auditeurs, auditrices, faut que tu me dises comment tu as fait pour commencer. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de commencer à jouer la banjo en fin de compte? Ben, je sais pas, jouer la banjo. Quand j'ai appris à écouter la musique bluegrass, il y a un son qui m'attirait par la musique. Je pensais que c'était la mandoline, parce que je m'en achetais une mandoline. Mais là, je m'en ai aperçu après que c'était la banjo. So, je sais pas, j'ai été à un party de musique à quelque part, puis un gars qui avait une banjo là. Puis, ben,
il m'a offert de me la prêter pour, je sais pas, 2-3 semaines. Je l'ai emmené à la maison, puis j'ai appris par moi-même à essayer de faire comme c'est beaucoup la main droite. Tu utilises 3 doigts, mais moi, je le faisais avec 2 doigts. J'ai commencé à faire comme des façons de roll, juste à 2 doigts, puis je trouvais comme, à ma manière, comment est-ce que je trouvais que ça sonnait bien. Puis ensuite, ben, après ça, ben, j'ai pris à utiliser 3 doigts avec le thumb pick, puis les pics en métal sur l'index, puis le doigt majeur. Ouais, j'aime beaucoup la banjo. Je me rappelle que tu m'avais parlé d'une fois que je pense que tu jouais avec Bluegrass Diamonds, c'est quelque chose de même. Oui. Ce groupe-là, il y avait quelqu'un qui avait besoin de juste un petit peu de banjo, quelque chose de même. Tu dis, ouais, les gens veulent le faire. N'avais-tu pas quelque chose de même? Je pense que c'était plus la mandoline. Oh, c'est la mandoline. Que j'ai appris à jouer la mandoline. J'avais pris des cours un petit peu, peut-être alentour de, c'est ça, 15-16 ans, avec Ron Savoy, un artiste qui joue avec des groupes Bluegrass, qui joue avec Jean-Marc Doiron, plusieurs autres groupes. Puis j'avais pris des cours de mandoline. Puis j'apprenais vite à la leçon, mais j'arrivais à la maison, puis je pratiquais pas. So, j'arrivais de nouveau à la leçon la semaine d'après, puis j'avais tout oublié, sauf les chants de nouveau. So, ça avait juste laissé, mais j'avais appris comme, je sais pas moi, 6-7 tunes d'instrumental, puis d'autres affaires que j'avais vraiment apprécié qu'ils m'avaient montré. Mais quand ce que Bluegrass Diamond cherchait pour un joueur de mandoline, j'ai dit... Moi, je suis intéressé, mais j'irai jouer la guitare acoustique. Puis Francis, dans le temps, qui était le frère à Vincent, qui était dans le groupe, il a dit « Ah ben moi, je peux jouer la mandoline un peu. So, tu peux rentrer sur la guitare, puis moi, je jouerai la mandoline pour faire ça de même. » Puis là, il y a un monsieur que je croyais beaucoup dedans, puis encore aujourd'hui, qui s'appelle Russell Soller. Mm. Puis je parlais de ça, de l'expérience-là, puis il disait non, il dit, faut que tu prennes la mandoline. Richard, il dit, tu peux l'apprendre à ton âge, que dans le temps, j'avais 17 ans. Il dit, tu peux apprendre beaucoup plus vite que si Francis est là pour mettre rien contre Francis, mais il dit à son âge, il dit toi, à 17 ans, il dit tu vas prendre ça beaucoup plus vite. So, j'ai commencé quand je jouais avec Bluegrass Diamond. J'ai pris la mandoline, puis j'ai appris le plus que je pouvais des albums qu'il y avait. Puis c'est comme quand tu ne sais pas nager, puis quelqu'un te garoche à l'eau, tu vas nager. Tu vas essayer de nager, ou sinon tu vas caler, mais ouais. C'est pas mal de même, ça s'est passé. T'as appris à nager. Oui. Quel spectacle qui t'a marqué le plus dans ta carrière? Oh! Bien, hein? Ben, il y en a plusieurs. Frère, je dirais que la fois que j'ai fait une tournée en Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis l'île du Prince-Édouard a ouvert pour une dizaine de spectacles pour Merle Haggard. Jouer la guitare avec une fille de Saint-Jean qui avait eu le contact à jouer dans un bar une fois. Puis les promoteurs de cette tournée-là étaient là, puis ils l'ont demandé. Puis dans ce temps-là, en même temps qu'elle a eu l'appel, moi j'étais dans le studio avec elle après de faire son album EP. So, elle m'a demandé, elle dit, serais-tu intéressé de faire cette tournée-là à rouvrir pour Merle Haggard? Oui. Puis, j'ai accepté pas vite, mais c'est quoi que toute la tournée, c'était pas mal spécial. C'est quoi que j'oublierai pas, même si c'était une première partie, faire six tunes, c'était un feeling même au soundcheck, puis ça, while Merle Haggard assis juste en avant de toi ou en arrière de moi, comme que j'ai un portrait à la maison qui est assis sur le drum riser, puis il nous regarde juste, là, c'est... c'est des nerfs, Richard, moi, j'ai vu ce spectacle-là, c'était au Colisée de Moncton, hein?
Oui, il y en a une des tournées qui était à Moncton. J'ai adoré, puis la fille qui chantait avec toi, elle était super bonne, c'était vraiment, vraiment bien, j'ai vraiment adoré ça. Je me rappelle, que pendant l'intermission, les gens voulaient absolument Wilmer Haggard, mais il y en a beaucoup qui se dépêchaient pour voir, pour acheter son album. Donc, vous aviez fait vraiment un beau travail, bravo. Ah, merci. Tous les artistes acadiens qui peuvent dire qu'on a ouvert pour Merle Haggard. Non, puis c'est ça... Moi, je connaissais plus la musique à George Jones, mais dans le temps de la tournée, il y a beaucoup de chansons, je ne savais pas que c'était même Merle Haggard qui faisait, puis j'étais vraiment surpassé de comment bon écrivain qu'il était, bon musicien, bon chanteur, même encore à l'âge qu'il a fait la tournée, il avait 76, puis il chantait encore vraiment, vraiment bien. Puis c'était vraiment fun. Un endroit de ta carrière que tu as été pour toi qui t'a vraiment marqué comme un endroit là, comme tu dis, c'est comme la musique, souvent on dit, ben si j'aurais pas été comme Denise et moi, on a fait des tournées ensemble pour des années, puis on a été dans des petits coins puis des gros coins de pays, puis on attend en Louisiane faire des tournées par exemple qu'on aurait probablement jamais été si on n'aurait pas été dans la musique. Mais toi, dans ton cas là, en jouant avec, parce que tu joues dans un autre groupe, tu joues pas seulement du bluegrass. Oui, je joue avec le groupe Réveil, puis aussi avec différents artistes. Oui, c'est vrai, Denis, tu as fait partie du groupe Réveil quand moi j'ai rentré dans le groupe. Denis était là. Et on a eu bien du fun à jouer partout dans Québec, New-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard aussi. Des endroits qui auraient marqué. Ben, c'est sûr, la musique, ça fait voyager une place, je dirais, les îles de la Madeleine. C'est une place que, la première fois que j'ai été aux îles de la Madeleine, comme artiste solo pour le Festival du Homard à Grande Entrée, c'était quoi qui était vraiment spécial? C'est, tu vois une foule de monde, c'est pas moi, 700-800 personnes chanter une chanson. Moi, j'avais écrit une chanson dans mes rêves, puis tout le monde savait les mots. C'était quoi que je trouvais que c'était pas spécial, voir le monde chanter une chanson que tu as écrite. Puis ils connaissent toutes les chansons. Je sais pas comment est-ce qu'ils font pour tout se rappeler des mots, mais ils les savent tous. C'est super ça. Y a-t-il une situation, c'est comme moi et Denis, ça nous est arrivé à plusieurs reprises, là. Des drôles de situations, mais est-ce qu'il y a une situation, toi, particulière que tu as vécue pendant tes tournées? Tu dirais, oh, je n'oublierai jamais ça. Que ce soit positif ou négatif ou quelque chose de particulier, tu dis, oh my God, elle vivait là, telle chose que tu te rappelles? Une situation vraiment drôle, weird, comme on dirait par chez nous. Ou comique. Ou comique. Ou comique, oui. Je ne sais pas. Ben, c'est certain qu'il y en a beaucoup qui arrivent, mais pour une qui me sort à la tête tout de suite, là, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient à l'idée que je pourrais compter qui serait peut-être approprié. tu as fait beaucoup de tournées. Je sais que tu as fait beaucoup de tournées avec les différents groupes. Oui, puis juste, c'est ça, comme là, on fait ce site live sur Facebook en raison du virus, le coronavirus. Juste avant que tout a arrêté en mars 2020, j'ai eu chance d'aller jouer au Panama avec c'était comme un voyage organisé avec des gens de Ontario, Québec, des îles de la Madeleine, puis du Nouveau-Brunswick aussi. Ça, c'était avec comme des artistes comme Hurt LeBlanc, Marc Babin, Andy Bastarache,
Danny Darèche aussi, puis d'autres artistes, puis Barcelone. Puis ça, c'est, ça serait un autre voyage qu'on a assez eu du fun. On a joué 2 semaines par là au Panama. Wow. Puis c'est comme je dis souvent à ceux qui étaient sur le voyage, même à Arthur, que si on aurait su qu'est-ce qu'on s'emmenait, ça allait tout arrêter, on n'aurait peut-être ben, pas retourné au pays. On aurait peut-être resté par là. Il faisait vraiment beau. As-tu fait, pendant ta carrière, as-tu fait des connaissances qui t'ont marqué, comme les connaissances des personnes qui t'ont touché et qui t'es encore en contact avec aujourd'hui? Ben, c'est sûr que tous les musiciens, les artistes que tu rencontres, comme moi, être joueur de bluegrass, j'ai beaucoup de personnes que j'admire. Parce que la musique bluegrass, c'est quoi qui est pas mal originaire des États-Unis. Les groupes américains sont... Il y en a beaucoup qui sont mes idoles. Puis... Qu'est-ce que la différence entre le style bluegrass et Appalachian de blues, c'est... Je sais pas. C'est, la musique bluegrass, le country, c'est quoi qui a évolué. C'était pas... ça n'a pas resté exactement pareil. Il y en a, il y a la musique bluegrass traditionnelle, il y a musique bluegrass, je ne sais pas comment ça s'appelle ça. En anglais, on appelle ça contemporary ou. Okay. À peu près. Puis il y a comme du jazz, bluegrass, puis ça. Mais, Tony Rice, par exemple, ça serait quoi? C'est pas nécessairement traditionnel. Il y en a joué du traditionnel. Je sais pas. Je sais pas exactement. Peut-être plus à l'avant de son temps. Ou... Pardon? Étais-tu plus contemporain, Tony Rice? Je sais qu'il jouait très bon musicien. Tony Rice, comme il a joué du traditionnel parce qu'il a commencé vraiment jeune. Puis il y a même un album qu'il a fait avec Ricky Skaggs okay. qui s'appelle. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça que c'était. Ou c'était. Je me trompe peut-être d'artiste. Mais il a joué dans des groupes avec Ricky Skaggs, puis Keith Whitley. Juste que c'était plus traditionnel. Okay. C'est ça. Pour dire une histoire, il y a une fois qu'il y a un groupe qui s'appelle Lonesome River Band qui a joué. Ils ont descendu jouer à Moncton, mais ils jouaient aussi à un club à Bouctouche. Puis le banjo player avait été mangé à un restaurant à Moncton, on ne le nommera pas. C'est pas que c'est une mauvaise expérience, mais il a été malade. Okay. Puis il ne pouvait pas faire le spectacle au club. So, comme moi, je connaissais le groupe, mais le groupe ne me connaissait pas. Puis le owner du bar, il a venu me demander si je irais jouer avec Lonesome River Band pour le spectacle au club. Puis, ils ont dit, le joueur de mandoline que Zeus avait, il connaissait toutes les tunes sur la banjo. So, il a dit, m'aimerais-tu juste filler in sur la mandoline? Oh. Oui, j'ai dit, je connais pas toutes les tunes, mais j'en connais plusieurs. Parce que c'est un groupe que j'ai pas mal admiré au long des années. So, il dit, ouais, si tu peux chopper sur la mandoline. J'ai dit, ouais, je peux faire ça, pas de trouble. So, on faisait le sound check. Puis là, ils m'ont regardé, veux-tu prendre un break? J'ai pris un break. Ben, le monde dans le bar, la réception était vraiment comme. Ils étaient vraiment contents de me voir. So, ils ont applaudi pas mal fort. Puis là, le joueur de guitare était comme. Il dit, OK, je vois comment ça se passe ici. En Acadie, on est accueillant aussi. Oui, oui. Il y a pas du groupe Réveil, de Bluegrass Diamond. Quel autre groupe que tu as fait partie de? Après Bluegrass Diamond, j'avais fondé un groupe avec trois autres musiciens qui s'appellent les Grass Kickers. Puis j'ai joué avec eux à peu près 3 ans. Après ça, j'ai joué avec Ray Légère pour à peu près 1 an ou 2. Puis, je pense à peu près dans ce temps-là que j'ai eu l'appel pour Réveil. Ça fait 8 ans peut-être que je suis avec le groupe Réveil. Ah oui, j'ai longtemps. Passe vite. Très bon groupe, on passe. Puis, c'est ça.
Et j'ai tout le temps joué avec différents artistes aussi de la région. N'importe qui. Le groupe Mojo? Oui, c'est vrai, le groupe Mojo. C'est à peu près en même temps que Monroe, c'est tout un groupe que j'étais avec en même temps que j'ai embarqué avec Réveil. Puis Réveil est vraiment occupé l'été, mais j'essayais tout le temps de me sauver une couple de fin de semaine pour faire Bluegrass Festival de la région. Puis c'est ça, Monroe, c'est un autre groupe de Bluegrass que j'ai vraiment le fun à faire des spectacles avec aussi. Richard, avec toute l'affaire du COVID et tout ça, je sais que les artistes, on a fallu beaucoup s'adapter à différentes choses. Qu'est-ce que tes plans futurs, toi? Comment, en gardant ça, en autre mot, as-tu changé tes plans futurs? As-tu changé ta vision de où est-ce que tu t'en vas dans quelques années, quelque chose de même? Ou c'est juste comme tu continues comme c'était? Ou... Ben c'est ça. C'est certain que ça a changé. Pour voir si ça a changé à long terme, on ne sait pas. C'est dur à voir si on pourra de nouveau faire des spectacles à l'automne ou l'hiver prochain. Devant public, là. Mais c'est ça, parce qu'on a des spectacles qui sont cellulés pour cet été. À voir si ça va aller de l'avant, on ne sait pas. So, on espère, mais pour l'été passé... ça aurait été supposé être une des étés les plus occupés, puis ça t'avait... je pense que j'ai fait peut-être 2-3 spectacles dans tout l'été. Puis c'est ça, je fais beaucoup de son aussi. Puis je m'en vais... Tu es technicien de son, on n'a pas oui. Son, mais il y a un gars qui est talentueux. Non, merci. Ben, j'avais acheté un système, ça fait peut-être 2 ans. Un nouveau système que je m'avais acheté, puis là, c'est ça, quand ça a tout arrêté, ben, il est chez nous, puis il fait rien, là, puis là, ça serait le fun de pouvoir faire des shows. Mais à l'instant, il y a une couple de spectacles qui s'en vient, comme des dimanches acoustiques à Chédia, où ce que je fais le son, c'est des spectacles à salle avec beaucoup moins de monde que d'habitude, mais au moins, c'est comme... c'est un début... d'avoir des spectacles de nouveau, puis on va espérer que ça vienne de mieux en mieux ça, avec le vaccin, puis ça. Puis les gens, moi je me aperçois que les gens ont vraiment soif d'avoir de la musique, quand je dis live, là, je veux dire en direct, comme devant public, parce que la semaine dernière, tu as fait un spectacle à 7 dimanche après-midi avec l'Association des Indiens francophones du Nouveau-Brunswick. En passant, on a eu des bons commentaires. C'était vraiment bien. Puis les gens, vous pourrez le voir, ça, sur notre canal YouTube. C'est AFANB Activité. Donc, le spectacle sera là, si vous voulez le voir. Pareil comme celui à Denise et à Mathieu. Donc, on a nos spectacles un petit peu là. Donc, c'est super. Les gens ont soif. Moi, j'ai l'impression, Richard, qu'une fois que ça va se débloquer avec le COVID, là, ben, les gens, ils vont venir voir les artistes. On va être contents de ça. On sera occupés. Mais on l'espère. C'est comme tu dis, on a été chanceux qu'il y ait eu beaucoup d'artistes qui ont fait des lives pendant la pandémie, pendant qu'on était à la maison. C'était le fun de voir des spectacles, puis ça, que les artistes se débrouillaient pour en faire. Ça faisait comme ça passait le temps, parce que tu peux pas aller au cinéma, tu peux pas aller. Il y a beaucoup d'affaires qu'on ne pouvait pas faire, mais au moins on pouvait regarder ça, puis. En espérant, comme tu dis, que si que c'est les affaires rouges, je pense que le monde sera pas mal excité de pouvoir avoir de la musique en personne de nouveau. Oui, merci grandement d'être notre premier invité au jam musical. Denise, parle un petit peu de petites choses. Hey Richard, parle-nous de la pièce que tu vas nous faire aujourd'hui. Oui, ben la toune que j'ai choisie, c'est une toune traditionnelle. Ça fait plusieurs années que j'entends ça à des parties de cuisine. C'est une toune qu'on joue avec le groupe Réveil, après une de nos chansons, puis on a mis sur une de nos albums. C'est Le bonhomme et la bonne femme. Ah. Oh. Puis, pour la vidéo, vous allez voir mon twin. Mon twin,
Okay. J'utilise un app qui s'appelle Acapella, que tu peux avoir sur ton téléphone, un iPad ou un ordinateur. Puis, tu peux faire aussi tant de vidéos, puis t'accompagner toi-même. Je vais jouer la guitare, puis la mandoline dans la vidéo. On va essayer ça comme Et ça. ça va être spécial, ça. Donc, Oui. tout le monde, on va vous présenter la pièce à Richard, le bonhomme puis la bonne femme. Merci, Richard. Merci beaucoup. C'est un homme, c'est un monsieur vraiment poli, qui aime de compter des jokes, puis il aime les chevaux. Puis c'est son garçon original, Alain, qui a composé cette pièce. Je pense qu'il l'a composée sur la mandoline, mais c'est un excellent joueur de violon, original Alain, de Bouctouche, chez Alcide, du dimanche matin. Puis. On commence des parties en Acadie, des fois le matin de bonne heure, puis des fois ça peut continuer le lendemain matin. Et c'est ça, on se fait du fun avec pas grand-chose. Puis c'est ça qui est le fun. Puis je vous envoie la reel de chez Alcide dimanche matin, au ralenti, et ensuite à la vitesse normale. Mmh.
votre belle participation et merci surtout à notre invité. On a hâte de vous présenter notre prochain jam et surtout notre prochain invité. On espère que vous serez du rendez-vous. Continuez à pratiquer votre instrument et venez jammer avec nous la prochaine fois. N'oubliez pas tous les premiers mercredis du mois à 19h, 7h à Boktouche. Salut tout le monde! Wouhou!